pas de gros plan, pas de gros plan. Le camping, comment ça se passe? C'est bien, super bien. Le camping, bien, soleil, chaleur, on va bien. Bon alors, Christine et Pierrot, franchement, là, on est vraiment dans un endroit superbe. Et bon, on a repéré le coin la prochaine fois vous venez. Hein. Bon alors là, Pierrot, tu vois, là, on est en train de touiller la fondue. À combien on est d'altitude là? Je sais pas, on est On est haut, hein. 1500. Voilà. À plus de 1500, je pense. À la hauteur du... Voilà, on est un petit peu plus haut que le barrage de Roseland. Une petite fondue. Génial, là, ça va être super bon, là. On entend un torrent derrière qui est en train de couler. Et puis on a le blanc au frais. Voilà, on a le blanc au frais, là. Là, ça fait la boule. Je vais attendre un petit peu. Donc, ça touille. Ça touille. Et puis donc, là-bas... Là, un peu plus loin, le lac de Roseland avec le barrage, on ne voit pas, c'est un peu plus loin, mais voilà, on y était. On peut témoigner. Enfin, on y est d'ailleurs. On y est. On y est, mais quand vous verrez la vidéo, on y était. Voilà. Voilà, la fondue. La fondue d'altitude. J'ai perdu mon pain, c'est pas grave. Mais t'as un gage ? T'as un gage. Ah, j'ai un gage, tu crois, tout nu dans la nature, dans ouais, le lac. Ouais. Fondue, abîme. Le... Oh, j'ai perdu un petit... Oh non, c'est pas moi qui ai perdu. Putain. Non, c'est pas ça, c'est bon. Ouais, c'est on va voilà. Un peu. C'est de ouais. La fondue d'alpage et nous avons la roque altitude. Et là, on commence à prendre les habitudes pour le Maroc. J'ai pété le... On mange par terre. La porcelaine de Limoges. Je vais être limogé. À 2000 mètres d'altitude. Chaude ambiance avec Patrice après avoir mangé la fondue. Là, il fait super chaud. Je là. Pense que nous sommes bien pour la nuit. On ne va pas avoir froid parce qu'ici, on a super chaud. Voilà. Mais le vin nous réchauffe, hein. Ouais. Il y a le vin. Alors, allez. Ouais, Jaco. Là, le truc là-bas. C'est quoi? Le truc là-bas. Machin qui est... Des câbles. Ouais. Ouais, il faut par là-bas. Ça va, Myriam, tu te sens? Oh là là, arrête, ça me fume là, je suis pas bien. Coucou. Oh là, il y a un joli trou. Hein. Un pas. Un petit pas pour moi, un grand pas pour Mimi. Un beau petit passage. Tu vois, ça avançait vachement parce qu'on disait. Ouais. Alors Myriam, tu te sens mieux là? Je sais pas. On verra. Hein? Ça tanque pas trop? Non, si, ouais. Si. Tu restes accroché, hein, faut pas venir me chercher. Ça, vaut mieux le faire passer devant, comme ça, ou derrière? T'en occupe pas. T'en occupe pas. Voilà, comme ça. Tu mets tes deux mains sur les câbles. Attends, voilà. Allez. Oh putain. Ça bouge. Oui, mais c'est normal, mais... Tu mets un pied devant l'autre, t'avances. Mais si. C'est trop petit. Oui. Non, mais t'as besoin de mettre tes bras plus haut. C'est impeccable. C'est même magique. Tranquille.
T'es magnifique, tu verras comme tu es gracieuse, c'est vraiment génial. Donc voilà, on est au sommet. Là c'est vraiment vertigineux. Ouais. Bon alors Jaco. Impeccable, hein, pense, c'est pas mal. Un petit peu technique, un peu gazo. Bonne sensation. Il m'y a rassuré comme une bête. C'est impressionnant. J'y croyais pas à un moment, hein. J'ai cru qu'elle allait l'abandonner, mais finalement. Elle l'a fait. Et voilà, on retrouve le lac. Et là, je pense que toi, Myriam, tu serais pas venu jusqu'ici. Et là, ça aurait été un gros regret. Mais non, parce que je l'aurais pas vu, je pourrais parler. Voilà, dernière sensation. Avant de s'engouffrer dans la pénombre. Allez, venez avec moi. Aïe. Ah, génial. Et ça y est, on voit le bout. Oh, oh. Ok, c'est pas mal. Voilà, d'où on vient. Ça fait du bien aux mains là.